départ pour Majorque. Je suis encore dans un aéroport. Mon vol qui est toujours pas affiché. Il est 11h, je pars à 13h55. Ça fait long à attendre. Lors de mon dernier voyage en Belgique, j'ai rencontré un Américain qui provient de Los Angeles. On a sympathisé, on est rentré en contact, il a vu ce que je faisais et il a parlé de moi au staff d'une association chrétienne qu'il dirige à Majorque. Suite à ça, après mon retour en France, après mon voyage en Belgique, il m'appelle et puis il me dit « Oh, on aimerait que tu puisses venir faire de la vidéo pour nous. » En même temps, on te paye, on te loge, on te nourrit et on te fait visiter les alentours, on te fait sortir, etc. Et voilà. Comment dire ? J'ai dit oui. Toute ma vie en fait, parce que je suis vidéaste, photographe, il y a tout mon matos, tout mon truc. Faites attention à la prochaine fois, monsieur, là je vous laisse passer exceptionnellement parce que le vol il est très très vide. Ouais, on allait m'envoyer un bagage en soute alors qu'à l'intérieur j'avais juste toute ma vie, tout mon matériel, mes ordinateurs, tous mes trucs. Alors hors de question que j'envoie ma vie en soute avec le risque qu'elle ne revienne jamais, la valise. Je suis enfin dans l'avion, l'aventure peut commencer. Ok, arrivé à Majorque après 1h30 de vol, première fois sur le territoire. Au revoir de très bons amis. What's up man? And you? Just met like a couple of weeks ago. Yeah. Admirer de magnifiques paysages. Waouh, c'est complètement dingue. Wow. Ce matin j'étais à Paris, maintenant je suis ici. Ne pas oublier de prendre de beaux clichés avant de commencer à travailler. C'est une vidéo qui va servir à présenter un nouveau projet de construction d'un nouveau bâtiment. Présentation du bâtiment, présentation du projet, collecte de dons. Préparer son matériel de tournage. On a le matériel, le micro. Are you ready? Hey les amis, jour 3, toujours à Majorque. Aujourd'hui, grosse journée, je vais me rendre sur le lieu de tournage, là où va se construire le nouveau bâtiment. Ok, donc là on va commencer les interviews. Le microphone, je vais le placer dans la voiture, caché quelque part. Ça va permettre d'avoir un bon son pour les interviews. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est parfait. On a une bonne profondeur. Faire de beaux interviews en intérieur et les compléter au drone. On est en train de monter en haut de la montagne pour avoir une sorte de panorama. On est équipé. Oh my god! Wow! Hey les amis, Majorque jour 4. Donc je suis ici à Majorque pour faire de la vidéo, mais en même temps on m'offre une petite sortie sous-marine. Jour J, super excité, on va aller donc visiter les caves. C'est juste un truc de ouf, on est super excité, je suis avec deux amis. En profiter pour expérimenter des choses jamais faites auparavant. Première fois que je porte une sorte de combinaison comme ça. Oser se jeter à l'eau en plein mois de novembre. Où là-bas? Jusqu'ici? Wonderful, your breath has golden. No! Yes. So I'm gonna go first. Yeah. I get on the other side, you guys just follow the light. Yeah. You guys all good?
se retrouver dans les entrailles de la Terre. A column is one that touches joints from the top to the bottom. Nager dans de l'eau fraîche provenant des nappes phréatiques. Okay, can you guys come with? You guys good? Dernier jour ici à Majorque. On est encore dans un autre voyage. On assiste avec des paysages juste incroyables, juste magnifiques. On est tous là avec mon ami Alex qui est derrière. Yeah. Ne pas oublier de nourrir notre très cher ami. C'est notre très cher ami. All right. Ok guys, this is day 6 in Mallorca. C'est en croyant en ses rêves, persévérant pour réussir tout en restant focalisé sur l'essentiel, que l'on parviendra à atteindre de nouveaux sommets. Come to a place where we are in the midst of something new, and this is what we would like to introduce to you today.